كان غوي متخانة بالسنة. اوكي. شوف انا لو يعني مش عقله وايد تعب يا بل. دونك لا tout le monde m'entend et ok d'accord très bien moi On va commencer dans une petite minute à peu près. D'accord, très bien. Donc j'attends une bonne minute, donc une petite minute comme vous voulez. Je commencerai à relire. Pardon. J'ouvrirai. Donc en attendant, ben, bonjour à tous. Donc je suis le conférencier, Ronny Sarfati. Donc je pense que vous voyez mon image, à moins que je ne sais pas comment ça marche, parce qu'il y a d'un côté il y a l'ordinateur, de l'autre côté il y a l'image, c'est sur D'accord, ok, donc bonjour à tous. Voilà, vous me dites quand je commence, hein, et donc quand je commence, je me présenterai. Vous pouvez déjà commencer à me pré-présenter. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux dire sans avoir me répété après, en attendant? Donc, je vais vous présenter une conférence. Alors, j'ai dû me torturer un peu pour savoir de quoi vous parler, parce qu'en fait, bon, de l'eau, évidemment, je suis expert. Ronny. Oui. Donc, je fais pas mal de... Pardon? C'est bon? On m'entend? Une seconde. Voilà, je veux ouvrir la conférence avec ta permission, Ronny, pour juste saluer nos participants. Ok. Yasmine, vous m'entendez? Oui. D'accord, voilà. Donc, j'ai un petit problème de connexion comme d'habitude. Donc, je ferai une ouverture assez brève pour ne pas vous déranger. Je veux juste vous remercier d'être là ce soir pour un sujet très, très bien, j'allais dire, qui est l'eau. L'eau en Israël a très longtemps été une question de survie, une question de vie. Jusqu'à aujourd'hui, encore ce matin, aux informations, on nous donnait exactement le niveau du lac de Kinneret, comme si ça avait une influence vitale sur notre vie. Alors que, comme Ronny va nous l'expliquer probablement, nous sommes aujourd'hui dans une phase complètement différente. Israël, en 70 ans, est passé de toutes les étapes du défi de l'eau, de la survie au niveau de l'eau, à l'exportation de l'eau. Je crois qu'on pourra entendre cet expert qui est Ronny Tsarfati, qui connaît, qui maîtrise parfaitement ce sujet, et qu'il est important de bien connaître pour comprendre aussi l'évolution, j'allais dire presque géopolitique et stratégique du Moyen-Orient. Israël est un acteur très important dans ce domaine. Voilà, donc je remercie Ronny, évidemment, d'avoir accepté notre invitation. Yasmine, nous saluons notre ami Hervé Lévy Naftali, qui n'est pas là ce soir et qui nous suit de chez lui. Et nous espérons retrouver en bonne santé la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Vos micros seront fermés et merci de mettre vos questions sur le chat si vous en avez. Toda Rabba Ronny, et la parole est à vous. Ok, bonjour à tous. Merci. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis donc Ronny Sarfati, ingénieur, donc expert dans le traitement de l'eau depuis un peu plus de 25 ans. J'ai fait mes études d'ingénieur en France et j'ai toute ma carrière travaillé dans le domaine de l'eau, donc dans le traitement de l'eau en particulier, que ce soit le dessalement, le traitement des eaux usées, les réseaux d'eau aussi. J'ai travaillé notamment pour Veolia, j'ai été directeur d'une des grandes usines de traitement des eaux usées en région parisienne. J'ai eu plusieurs fonctions dans différents pays. Et puis, il y a 15 ans exactement, j'ai fait mon alia. Donc, ça fait 15 ans que j'habite maintenant en Israël. Je suis basé à Tel Aviv et je travaille. Donc, j'ai travaillé pour, par exemple, pour Ideo Technologies, qui est la meilleure société au monde dans le domaine du dessalement d'eau de mer,
on en parlera pas mal dans la conférence maintenant. J'ai travaillé pour Tahal, qui est à ses grandes heures, qui a été donc le plus gros bureau d'études israélien, qui travaille beaucoup avec l'Afrique. Donc moi, j'ai travaillé aussi beaucoup avec pas mal de pays d'Afrique. J'ai travaillé aussi avec l'Amérique du Nord, avec beaucoup évidemment avec l'Europe. Voilà, très rapidement. Aujourd'hui, je suis consultant indépendant. Je travaille pour pas mal de boîtes, notamment les boîtes dont j'ai parlé, IDEA, etc. Et voilà, très rapidement pour moi. Comme je disais juste avant le début de la réunion, c'était difficile pour moi de choisir de quoi parler parce que en fait, je fais pas mal de conférences dans le domaine de l'eau, uniquement dans le domaine de l'eau, mais le domaine de l'eau, c'est beaucoup de choses. Donc là, on m'a demandé de parler de l'eau en Israël et en fait, je vais parler de, comme je l'ai appelé, c'est l'eau, le défi de l'eau en Israël de 1948 à 2048. Donc, de parler de toute l'histoire d'Israël plus le futur proche, les 25 ans à venir, en 40 minutes, c'était un grand dilemme. De quoi je vais parler, parce que je pourrais parler pendant pas mal d'heures. Et donc, je vais vous parler que de très peu de choses finalement, mais j'espère qu'à travers les questions, n'hésitez pas, parce que voilà, j'ai plein de choses à rajouter ensuite, si vous voulez. Donc, je vais essayer de faire ça en 40 minutes. Voilà, donc, je commence donc la conférence. On est, voilà, donc le défi de l'eau en Israël. Attendez, je fais comme ça, je pense, oui, hop, voilà. OK, donc là, je pense que vous voyez tous. Voilà, donc d'abord, il faut comprendre le contexte. Israël, enfin, d'abord le monde, dans le monde, l'eau, parce que l'eau dans le monde, ça me fait penser aussi, je vais peut-être un peu vous dire pourquoi j'ai choisi de travailler dans l'eau, pourquoi j'ai choisi ça comme carrière. Il y avait, on va dire rapidement, deux raisons principales. La première, c'est que c'est un métier exportable. Ça, on peut travailler dans l'eau n'importe où dans le monde. Et puis, la deuxième raison, c'est que l'eau, c'est la chose la plus sociale qui soit, la plus équitable qui soit. Parce que quand on travaille pour l'eau, on fournit la même eau à n'importe qui dans le monde. On fournit, on ne peut pas discriminer. Quand on donne de l'eau, on donne la même eau à tout le monde. Quand on traite les eaux, on traite les mêmes eaux pour tout le monde. Et l'eau, c'est vraiment un facteur de partage, un facteur de... c'est vraiment quelque chose où, quand on veut aider, l'eau, c'est quand même quelque chose de, à mon sens, une des choses qui est extraordinaire à faire. Donc voilà, on va voir un peu justement comment, dans ce cadre-là, Israël aussi aide, participe dans la région, dans le domaine de l'eau. Alors justement, on parle donc de l'eau. D'abord, on va prendre le monde. Dans le monde, il y a beaucoup d'eau. Hein, vous savez, il y a beaucoup d'eau, mais seulement, donc 2/3 de la planète, c'est de l'eau, mais seulement il n'y a que 3% d'eau douce. Le reste, c'est de l'eau de mer. Et sur ces 3% d'eau douce, il y a à peu près 10% qui ne sont pas sous forme de glace. Okay, même si ces 10% ont tendance à augmenter, parce que malheureusement, il y a les fonds des neiges dû au réchauffement climatique au pôle Nord et au pôle Sud. Mais ça reste donc, si on prend 10% de 3%, ça fait plus 0,3%. Donc finalement, même si on a beaucoup d'eau dans le monde, on n'en a pas tellement d'eau disponible et douce. Alors, l'historique de l'eau, en fait, quand on regarde la Bible, la Torah, le Tanakh, on a toujours eu des problèmes d'eau, mais avant, le problème, avant, quand je dis avant, c'était il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 5000 ans, c'était uniquement de trouver l'eau. Okay, il fallait habiter là où on avait de l'eau, et dès qu'on avait de l'eau, on était tranquille. Aujourd'hui, avoir de l'eau, c'est pas suffisant, il faut en avoir assez et de bonne qualité. Donc, le gros problème, pourquoi, c'est l'accroissement démographique. Okay, on avait à peu près 50 millions d'habitants à peu près à l'époque du roi David. Okay, on a à peu près 50 millions d'habitants sur la Terre. Okay, maintenant, vous savez que rien qu'en France, il y en a plus que ça. On est 7 milliards et demi d'habitants. Donc, évidemment, quand on a un accroissement si fort, l'eau, on n'en a pas plus, donc il faut faire avec. Alors, en plus de ça, si on prend la région, alors le gros problème d'Israël, c'est qu'il est dans la région où il y a le moins d'eau douce renouvelable par habitant au monde. Okay, donc, c'est où cette région? C'est Israël, c'est la Jordanie,
les Palestiniens, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, toute cette région-là, c'est la région. Si je prends les 8 pays où il y a le moins d'eau douce au monde, Israël en fait partie, mais malheureusement, ses voisins du sud-est aussi. Donc, on n'a pas d'eau et nos voisins non plus. Vous voyez là sur cette carte, donc c'est volontairement une carte où il y a en général pas de frontières parce que moi je suis un expert technique, pas politique. Donc, je ne fais pas de politique. Donc, je peux, si je peux me permettre de ne pas mettre de frontières comme ça, on est clair. Donc là, on voit Israël, les territoires palestiniens et la Jordanie ici. Et on voit où est-ce qu'on a de l'eau, en gros, ben, un petit peu dans le nord et puis c'est tout. Okay, donc, en gros, c'est en Galilée et dans le Golan. À part ça, il peut presque pas. Et donc, il faut faire avec. En plus de ça, on n'a pas de chance, on est dans une région où il n'y a pas beaucoup d'eau, mais en plus de ça, là, je prends Jérusalem et je pourrais prendre n'importe quelle région du monde, n'importe quelle ville du monde. On a une répartition, donc là, on voit exprès sur 150 ans, donc sur une grande période, d'une année sur l'autre, c'est très, très variable. Si je prends une mauvaise année et une bonne année, c'est du simple à 8 fois plus. Okay, si je prends, par exemple, 1993, vous voyez le grand pic. À droite, là, c'est 1993. Ça a été une année exceptionnelle. Et puis d'un autre côté, il y a des années comme vers 1952, quelque chose comme ça, c'était une catastrophe. Et donc, c'est très, très variable d'une année sur l'autre. Et même si on prend d'une décennie sur l'autre, regardez la décennie des années 30 et la décennie des années 1890, ça va du simple au double, même sur 10 ans. Okay, donc, non seulement on n'a pas beaucoup d'eau, mais en plus, il y a des années, on a encore moins que pas beaucoup. Donc, il faut faire avec. Et donc, on s'est dit, tiens, regardons dans la Bible, il y a une solution. Moïse l'a trouvée. Okay, Moïse a trouvé une super solution, faire jaillir l'eau du rocher. Malheureusement, donc, on est dans la société, on se dit, on est aujourd'hui en Israël, dans la région du monde qui a le pays de high-tech, le pays avec plein de technologies, plein de patents. Mais malheureusement, le patent, le brevet de Moïse, on n'arrive pas à le renouveler. C'est bien dommage. Donc, si quelqu'un trouve comment faire le patent, il y a des preneurs. Okay. Alors, en attendant, il faut trouver d'autres solutions. Les autres solutions, alors on a eu la chance d'avoir le premier ministre d'Israël, David Ben-Gourion, qui était vraiment un grand visionnaire. Alors, c'est connu que c'était un grand visionnaire dans plein de domaines. Moi, le domaine que je connais bien, c'est le domaine de l'eau. Et dans ce domaine-là, en tout cas, je peux vous dire, c'était vraiment un grand visionnaire. Et donc, si on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, en Israël, c'est déjà et avant tout beaucoup grâce à David Ben-Gourion et aux pionniers d'Israël qui ont toujours mis l'eau en avant. Donc, l'eau a toujours été une priorité pour Israël, une priorité pour les responsables politiques d'Israël, qu'ils soient d'ailleurs de droite, de gauche, toujours, on a toujours su que l'eau était fondamentale. Sans eau, on ne pourrait pas se développer. Donc, au début du pays, il y avait à peu près 800 000 habitants. Okay, je rappelle qu'aujourd'hui, on est 9 millions, presque et demi, 9,4 millions d'habitants. Voilà, on est passé à 12 fois plus en à peine 70 ans. Et donc, David Ben-Gurion, déjà, était visionnaire puisqu'il voyait déjà quand il y aura le troisième million. On était à 800 000 habitants quand il y aura le troisième million. Il y a plein de gens qui disaient, ouais, quand même, il exagère, 3 millions, il faut pas pousser. Aujourd'hui, je rappelle, on est à 9 millions. Et donc, il a dit tout de suite, il a dit, il faut absolument qu'on se prépare. Il faut donc, si vous voulez, en bas, c'est écrit en hébreu, « Chalek mehamayim adroshim yimtse lanu yede agirat mei hakshamim ». Ça veut dire, il faut pour partie que l'on parvienne à retenir les eaux de pluie en les gardant avec des barrages. Et il a dit aussi, « Chalek mehamayim yimtse lanu yede zikuk hamayim hamelochim ». Ça veut dire qu'il faut en partie que l'on puisse distiller l'eau de mer. Alors, il parlait de distillation parce qu'en gros, la distillation, c'était la technique qu'on connaissait bien et qui est très connue depuis longtemps pour dessaler l'eau de mer. Mais maintenant, on traduit ça plutôt, on dirait, enfin, il y a un autre mot maintenant en hébreu pour dire dessaler, puisqu'il y a plusieurs moyens de dessaler. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir, on dessale, entre autres, c'est une des solutions, puisque David Ben-Gurion tout de suite s'est dit, c'est ce qu'il faut faire. On va déjà voir, on a vu tout à l'heure, le lac de Tibériade, puisqu'on a vu que le peu d'eau qu'on a par la nature, c'est dans le nord d'Israël. Et dans le nord d'Israël, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un lac, le lac de Tibériade, le Kinneret en hébreu. Donc parfois, j'ai peut-être parlé de Kinneret ou de lac de Tibériade, c'est la même chose. Hein. Kinneret, c'est le mot en hébreu, lac de Tibériade en français, la mer de Galilée en anglais, chaque langue a son expression. Donc ce Kinneret, il a une particularité, entre autres, bon, c'est un lac, c'est de l'eau douce. Mais c'est aussi que c'est un point bas, puisqu'il est 200 mètres plus bas que le niveau des mers, c'est-à-dire le niveau de la mer Méditerranée.
Et donc, c'est un point bas. Et donc, l'eau qui est dans la région arrive vers, naturellement à ce point bas. Alors, ce n'est pas le point le plus bas d'Israël, puisque comme vous savez sans doute, le point le plus bas, le point sec le plus bas d'Israël, c'est la mer Morte. Donc, il y a une rivière qui va du lac de Tibériade vers la mer Morte. Cette rivière, c'est le Jourdain. Mais si on met un barrage dans le Jourdain, eh ben, il y a de l'eau qui reste dans le lac de Tibériade. Donc, on s'est dit, voilà, on a un grand réservoir naturel. Et donc, ce grand réservoir naturel, ça doit nous servir absolument. Donc, ça, c'était les débuts. Donc, maintenant, je parle de 1948, les années 50, les années 60 d'abord. Donc, c'est dans ces années-là, on s'est dit, le lac de Tibériade, c'est la priorité. Donc, il y a eu un gros projet dans les années 50, vous voyez, 1956-64, de mettre en place un grand réseau, l'aqueduc national, qui permettrait d'avoir de l'eau pour tout le pays. Donc, d'amener l'eau du nord du pays et de le construire. Donc là, vous voyez une photo de 1956, vous voyez les deux personnes en bas et vous voyez le gros réseau qui était installé comme ça. Donc, ça, c'était vraiment dans les années 50. Israël n'avait pas beaucoup de... C'était un pays très, très peu développé, hein, c'était vraiment un pays pauvre, mais avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de gens qui étaient très éduqués. C'est un peu la caractéristique, une des nombreuses caractéristiques d'Israël, d'avoir toujours eu, et des Juifs en général, d'avoir toujours mis le paquet sur l'éducation. L'éducation, ça a toujours été la chose la plus importante. Donc, Israël, s'il n'avait pas beaucoup de, même, il n'avait pas de ressources naturelles, malheureusement, c'était un pays sans ressources naturelles, mais la ressource qu'elle avait, c'était la matière grise, des gens éduqués, et donc ces gens sont mis à installer un réseau, un grand réseau. Et ce réseau, donc ici on voit avec une carte, avec le nord, vous voyez qui est vers la droite, un peu curieux. Donc on a le nord à droite en haut et le sud, donc avec Elat en haut, là où il y a le chameau. Donc on voit la Kinneret, c'est-à-dire le lac de Tibériade. Et donc là on voit les rivières qui arrivent vers le lac de Tibériade, donc les rivières qui viennent de Jordanie, du Liban. Qui amène de l'eau dans le lac de Tibériade. Et puis, donc là, on voit le grand aqueduc national, Hamovil Ha'artsi en hébreu. Donc, ce grand aqueduc national qui a été créé pour pouvoir desservir tout le pays. Donc, ça a été vraiment la grande priorité. C'était un très, très grand ouvrage qui a sauvé Israël ces 40 premières années. Alors, la conséquence de ça, si on prend beaucoup d'eau qui arrive dans le reste d'Israël, c'est que, évidemment, à force, quand il y a 1 million, puis 2 millions, puis 3 millions, puis 4 millions d'habitants, ça commence à devenir problématique. Alors, donc, on prenait de l'eau, en gros, dans le lac de Tibériade, et on prenait de l'eau dans les nappes phréatiques. Donc, à force de prendre plein d'eau, évidemment, le niveau a commencé à baisser. Ici, on voit une courbe sur à peu près 60 ans. De 1966 à aujourd'hui, je l'ai mise à jour hier. Donc, on voit le 2 février 2022, donc hier, le niveau de l'eau du lac de Tibériade était exactement 210,27 mètres sous le niveau de la mer. Et donc, vous voyez un niveau qui est correct, c'est-à-dire qu'il y a une ligne rouge supérieure et une ligne rouge inférieure. L'eau doit être toujours entre ces deux lignes. Okay. Évidemment, on préfère qu'elle soit plutôt vers le haut, mais tant qu'elle n'est pas en bas, ça va. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit à chaque fois, vous voyez le cours, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, puisque en Israël, pendant 6 mois de l'année, il ne pleut absolument jamais. Okay, du mois de mai-juin jusqu'à septembre, il ne pleut absolument jamais en Israël. Donc, on a 6 mois secs et on a 6 mois où il peut y avoir de la pluie. Okay, et donc, c'est pour ça que ça remonte en hiver et chaque été, ça redescend. Donc, vous voyez, des bons hivers, des mauvais hivers. Évidemment, en Israël, un bon hiver, ça veut dire un hiver avec beaucoup de pluie. Hein, pour nous, en Israël, on est content quand il y a de la pluie. Et un mauvais hiver, ça veut dire un hiver sec, où il y a du soleil, on n'aime pas. voilà, donc, par exemple, cet hiver, vous voyez qu'il commence, il a commencé très tard. On peut le voir sur ces courbes qui sont ici. C'est la même courbe, hein, mais qui est plus détaillée sur les dernières années. Et donc, cet hiver a commencé que vers mi-décembre. Donc là, pour les gens qui habitent en Israël, vous savez qu'on a pas mal de pluie là depuis un mois, mais en gros, ça commence tard. Donc, on espère, on est au milieu de l'hiver, qu'on va avoir un meilleur hiver que ce qu'il a commencé en octobre, novembre. C'était très sec.
Voilà, donc on est dépendant de la pluie. C'est aussi une autre conséquence d'avoir le lac de Tibériade, c'est qu'on est dépendant de la pluie. Donc, très dépendant de la pluie, c'est embêtant. Donc, on s'est dit, voilà, le dessalement. Donc, David Ben-Gourion l'a dit, il faut mettre du dessalement. Alors, il ne l'a pas juste dit, il a mis en place ce qu'il faut mettre en place. Qu'est-ce qu'il fallait mettre en place? De la recherche, évidemment. La distillation, c'était un système qui existait déjà, mais c'était quelque chose de très, très coûteux et ce n'était pas réaliste de faire de la distillation telle qu'on la connaissait à l'époque, il y a 60 ans, 70 ans. Et donc, il fallait absolument mettre de la recherche. Et David Ben-Gourion, il a créé un centre de recherche, okay, avec évidemment d'autres grands leaders politiques qui se sont dit, et on va créer un centre de recherche sur le dessalement d'eau de mer. Et donc, il a mis à la tête de ce centre de recherche, vous voyez à gauche, Alexandre Zarkhin, qui était un juif russe qui est venu de, qui est arrivé donc de Russie, je ne sais plus exactement quand, je crois vers les années 1940 à peu près. Et donc il est arrivé, donc il était un ingénieur déjà confirmé, hein, il est arrivé assez tard finalement, il avait à peu près 50 ans quand il est arrivé en Israël. Aux 45 ans ou 40 ans, quelque chose comme ça. Donc, il avait déjà l'expérience en tant qu'ingénieur. Il n'était évidemment pas dans le dessalement quand il était en Russie, mais c'était déjà un ingénieur brillant. Et donc, il a été désigné comme le patron du centre de recherche gouvernemental. C'était un génie, ok. C'était vraiment un génie, on va voir un peu rapidement, puisqu'on m'a demandé ce soir plutôt de parler de d'Alia. Donc, c'est un bel exemple, Alexandre Zarkhin, d'une alia de génie. Alors, là, j'ai mis à gauche Alexandre Zarkhin, et puis j'ai mis à droite Sidney Loeb. Sidney Loeb, c'est lui, un juif américain, qui a fait son alia aussi, mais lui, vous voyez, il est né exactement 20 ans après Alexandre Zarkhin. Il est mort exactement 20 ans après Alexandre Zarkhin aussi, donc il a vécu aussi pendant 89 ans, 91 ans, pardon. Et aussi tout son génie, il l'a mis au point à peu près 20 ans après. Donc, ça veut dire des histoires très similaires avec 20 ans de décalage, un venant de Russie, l'autre venant enfin, de l'Union soviétique à l'époque, l'autre venant des États-Unis. Et ces deux grands génies qui ont révolutionné le dessalement au niveau mondial. Vraiment, ils ont révolutionné le dessalement au niveau mondial. Et les deux ont décidé de venir vivre en Israël et de finir leur vie en Israël. Et donc, les deux ont mis au point vraiment les deux grandes technologies qui ont révolutionné le dessalement mondial. Alors, très rapidement, donc Zarkhin, Alexandre Zarkhin, Alexander Zarkhin, lui, il a mis au point, donc on parlait de distillation, il a mis au point, alors, je ne vais pas faire une conférence technique, hein, ce n'est pas du tout l'objet. Donc, je vais parler très, très, très brièvement, même de manière très superficielle de ce qu'il a fait. Mais en gros, il s'est basé sur l'idée de la distillation. La distillation, qu'est-ce que c'est? C'est on prend de l'eau, okay, on met de l'eau salée dans une casserole. On prend de l'eau salée dans une casserole, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, la vapeur d'eau, elle est sans sel et l'eau reste au fond de la casserole, okay, au fond de la poêle à frire, comme j'ai défini une poêle à frire. Ça, c'est l'idée de la distillation. Ça, c'est la distillation. Lui, il a trouvé que dans certaines conditions de grand vide, donc de très, très vide, avec, bref, dans des conditions très particulières, on peut créer du dessalement beaucoup plus efficace. Donc, ça reste quand même de la famille du dessalement thermique. Voilà, ça, c'est la première qu'il a mis en place, l'usine de dessalement en 1964. Donc, déjà en 1964, c'était d'ailleurs le centre de recherche est vite devenu une société à l'Alienation Engineering. Vous m'entendez? Je crois qu'il y a eu un petit souci. Je pense que vous m'entendez de nouveau. Oui, c'est bon. Ok, merci. Donc, Israel Desalination Engineering, IDE, c'est le nom, enfin, c'était le nom d'origine de cette grande société qui s'appelle donc IDE Technologies. Ça s'appelait, Hatpalal Israel, Handasat Hatpalal Israel à l'origine, Israel Desalination Engineering. Et donc, c'était une société gouvernementale qui a été privatisée il y a à peu près 25 ans, dans les années 90, et qui est toujours une société 100% israélienne d'ailleurs, mais privée aujourd'hui. Et donc, à l'origine, ça a été vraiment mis en route très fort avec le procédé mis au point par Zarkhin.
On peut voir par exemple là une grande usine, alors c'est plus exactement le même procédé qu'il a mis, mais c'est aussi un procédé thermique. La plus grande usine de dessalement qui est en Chine a été mise au point, donc ici vous voyez que c'est à Tianjin, dans le grand port de Tianjin, dans le nord-ouest pardon, de la Chine, conçu donc par IDE, par les Israéliens. Et oui, juste pour l'anecdote, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de vous montrer. Parce que la Zahrin a donné, eh bien le même procédé, en fait, c'est un procédé qui crée en fait du froid et du chaud en même temps. Donc, il crée une forme de neige. Et puis, mais qui peut créer de la neige, de la vraie neige. Hein, c'est pas pas de la glace concassée, c'est de la vraie neige, peu importe la température. Et donc, ça n'a pas besoin d'être en dessous de 0 degré. Même quand il fait 30 degrés, ça produit de la neige. Et donc, on s'est dit, tiens, puisque ça produit de la neige, ça, c'est la chorma israélienne, la créativité, je dirais, des Israéliens, c'est de dire, à partir d'une idée, on peut avoir plein d'autres idées. Et donc, on s'est dit, ben, tiens, on va pouvoir, avec ça, puisque maintenant, on a d'autres technologies pour le dessalement qui sont moins chères, mais cette technologie, au lieu de la mettre à la poubelle, eh ben, on peut l'utiliser pour faire de la neige. Et aujourd'hui, si vous allez dans la station de ski très prestigieuse de Zermatt en Suisse ou dans celle de Pitztal en Autriche, vous aurez de la neige même en été. Enfin, surtout, ils ouvrent la saison bien plus tôt que dans les autres stations parce qu'ils ont cette unité de création de neige qui est en fait à l'origine une unité de dessalement qui a été mise au point par les Israéliens. Donc, ils ont acheté à la société IDEO Technologies toujours. Maintenant, si on regarde Sidney Loeb, donc l'autre grand génie du dessalement, Sidney Loeb, donc lui, il a d'abord, en fait, lui par contre, il a été dans le dessalement déjà quand il était aux États-Unis. Il était en Californie, donc il a mis au point ses premiers procédés de dessalement qui étaient un procédé qui n'a absolument rien à voir. Donc, une technologie qui n'a rien à voir, complètement différente. On n'utilise pas du tout, c'est pas du tout thermique, on ne fait pas du tout ni chauffer ni refroidir, mais on fait passer par des membranes. Pour dire ça de manière très très simple, je vais dire que si vous voulez, c'est une espèce de filtre, mais avec tellement petit que les molécules d'eau, qui sont des petites molécules, arrivent à passer, mais les ions, qui, on va dire, pour faire simple, un peu, si vous voulez, des grosses molécules comme le sel, on va dire ça comme ça, n'arrivent pas à passer. Okay, donc, c'est tellement petit que seulement les molécules d'eau passent et le sel ne passe pas. Donc, c'est ça le procédé de son inverse. Et donc, lui a mis au point vraiment les premières unités. Alors, il a fait ça en Californie et à l'université Ben-Gurion qui se trouve dans le Negev, à Beersheba. Et donc, il faisait plein d'allers-retours. Et donc, il a mis au point ça en 1965, d'abord en Californie, à Coalinga, et en 1968 à Yotveta, donc en Israël, dans le Negev, dans le sud d'Israël. Et il s'est installé ensuite complètement en Israël, mais il a été longtemps, il a été entre les deux universités de Californie et d'Israël. Donc lui il a pris du temps avant d'abandonner les États-Unis. Il était vraiment très à cheval entre les deux, mais au niveau du cœur, c'est très clair, il avait son cœur en Israël puisqu'il a bien dit qu'il restait chez lui c'était en Israël. Quand on lui a demandé, parce qu'en fait, comme c'était un grand génie, tout le monde le voulait, c'est-à-dire les Californiens, les Américains voulaient qu'il revienne, et puis les Israéliens voulaient qu'il soit ici. Chacun le voulait, évidemment. Et puis, il a dit, je reste chez moi. Parce qu'au début, il n'a eu qu'une bourse de quelques mois qui était payée par l'État d'Israël. Il a eu une bourse de quelques mois pour faire développer ses recherches en Israël. Et à la fin de sa bourse, qui était de je ne sais plus, quelque chose comme 6 mois, il a dit, je reste dans mon pays. Donc, voilà. Et il est mort dans la banlieue de Beersheba, donc en 2008. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de connaître ni l'un ni l'autre. Par contre, j'ai travaillé avec pas mal de leurs collaborateurs, que ce soit de Loeb et puis encore plus de Zahrin, puisque j'ai travaillé moi-même à IDEO Technologies. Et donc, à IDEO Technologies, j'ai travaillé avec beaucoup de collaborateurs qui m'ont parlé beaucoup d'eux, et c'était vraiment des génies et des gens hors du commun, très hors du commun. Bon, je vais passer l'explication sur le système d'osmose inverse, c'est un peu trop compliqué. Les membranes, je passe. Il y a un schéma d'une usine, je passe, je ne peux pas vous embêter. Peut-être, allez, juste pour. Non, allez, je passe.
aussi. Je ne veux pas vous embêter avec la technologie. C'est ce que je vous posais et je vous expliquais juste, hein, tout simplement. Là, c'est qu'en gros, dans une usine de dessalement d'aujourd'hui, alors ce que je veux vous dire, c'est que les usines de dessalement d'aujourd'hui en Israël, les toutes, sont passées à un système d'osmose inverse. On ne fait plus de thermique en Israël. On en fait encore. D'ailleurs, IDE continue à vendre des usines thermiques dans certaines régions du monde, que chacun a son avantage, hein, mais le système d'osmose inverse est beaucoup moins coûteux et beaucoup moins énergivore, c'est-à-dire très peu consommateur d'énergie, le système d'osmose inverse. Et c'est pour ça qu'on fait de l'osmose inverse aujourd'hui dans toutes les grandes usines de dessalement d'Israël. Le principe, je vais vous dire en ultra simple, pas le principe, mais les étapes, il y a trois étapes en gros. Une étape qui est le pré-traitement. Pour faire simple, enlever le sel, c'est compliqué. Donc, pour pouvoir bien enlever le sel, d'abord, on enlève tout sauf le sel. Okay, on va faire ça comme ça, simple. Donc, le pré-traitement, c'est on enlève tout sauf le sel. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'osmose inverse, que je vous ai dit, ça passe par des membranes où on enlève à ce moment-là le sel. Puis, une troisième étape, puisque à la fin de cette deuxième étape, on a de l'eau ultra pure. Et cette eau ultra pure est tellement pure, tellement pure, on a tout enlevé, elle est trop pure pour pouvoir être bue. Donc, on ne peut pas la boire parce qu'il faut, en fait, dans le corps, on a besoin d'avoir des échanges d'ions, okay, donc des échanges. Et si l'eau est tellement pure, on n'a pas ces échanges et donc, on peut pas la boire. En fait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? La troisième étape, après avoir enlevé tout, c'est de rajouter. Donc, en l'occurrence, il faut rajouter des sels. Alors là, en l'occurrence, en Israël, on décide de rajouter du calcium. Pourquoi du calcium? Pour des raisons à la fois de santé, c'est bon pour la santé, c'est même très bon pour la santé, et économiquement, c'est facile à faire, c'est pratique à faire, voilà. Donc, on rajoute du calcium, donc on a une eau avec du calcium, et c'est celle-là qui est envoyée dans la réseau. Je passe ici. Voilà. Maintenant, on va voir comment est la situation au niveau du dessalement en Israël. Alors, donc, on prend la carte de tout à l'heure, okay, c'est la même carte. Et puis, on voit donc l'aqueduc national qu'on a vu, qui a été construit, qui prenait l'eau du lac de Tibériade, donc qui est dans le nord, et qui allait vers le centre et vers le sud. Dans le centre, là où il y a le principal de la population, okay, Tel Aviv se trouve au centre, etc. Et puis, le sud, c'est là où il y a le grand désert. Hein, la moitié d'Israël, c'est un grand désert, c'est le désert du Negev. Et donc, c'est là où le pays est développé. Puisque c'est dans le désert où il y a de la place, c'est là où on peut vivre, mais on peut y vivre seulement si on a de l'eau, si on a une bonne agriculture. Tout ça, on ne peut l'avoir que si on a de l'eau. Alors, voilà, on a aussi une pompe dans les aquifères, dans l'eau souterraine, dans les nappes phréatiques. Ça, c'est une autre source d'eau. Et puis, les usines dessalement. Alors là, je les mets dans l'ordre historique. D'abord, on a mis l'usine de dessalement d'Elat. Pourquoi? Ça paraît assez évident pour les gens qui connaissent Israël, puisque Eilat est au bord de la mer, mais derrière, c'est le désert. Okay, Eilat est l'extrême sud d'Israël. Donc, en gros, si Eilat voulait se développer, il n'y avait pas d'autre choix. Et il fallait ramener l'eau de la mer. Donc, très, très tôt, on a mis des usines de dessalement à Eilat. Même quand on avait des technologies qui très coûteuses, on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on a une usine beaucoup plus moderne. Alors maintenant, on va parler des usines absolument géantes. Dans les années 90, on a décidé de faire un grand plan d'installation d'usines géantes sur la Méditerranée. Alors, quand je dis usines géantes, c'était des usines plus grandes que n'importe quelle autre usine qui n'avait jamais existé dans le monde. On s'est dit, on va créer des usines géantes. Alors, on a créé la première. Donc, dans les années 90, on a décidé ça, tout un programme été mis en place. Et donc, la première, c'est l'usine de dessalement d'Ashkelon, qui a été construite entre 2002 et 2005. Elle a été donc mise en route en 2005. Donc, depuis 2005, on a 118 millions de mètres cubes par an d'eau produite dans cette usine. Donc, c'est absolument colossal. Ça donne en gros de l'eau pour, si je prends uniquement, je ne m'intéresse pas à l'agriculture, si je prends uniquement l'eau pour les villes, mais tout compris, ça représente à peu près de l'eau pour 1,5 million d'habitants. Donc, rien que cette usine-là, une seule usine, l'usine d'Ashkelon. Alors, pourquoi est-ce qu'on a placé la première usine à Ashkelon? Puisque si on va voir les suivantes, regardez, je clique juste pour les suivantes, vous voyez, elles sont tout le long de la côte méditerranéenne. Mais la première, je reviens en arrière, la première, c'est celle qui est la plus au sud de la côte. Pourquoi? Parce qu'elle a été décidée dans les années 90. Et souvenez-vous, qu'est-ce qu'il y a eu dans les années 90? En 1993, est signé
les accords d'Oslo, les grands accords de paix entre Palestiniens et Israéliens. Donc, c'est à ce moment-là la grande joie. Ça y est, enfin, on a la paix. On était très, très heureux. Il faut se rendre compte que de 93 à 99, à peu près 2000, on était vraiment dans une situation de paix avec beaucoup de bonheur et d'optimisme, surtout sur l'avenir. Et donc, on s'est dit, évidemment, on a besoin d'eau pour là où il y a donc des populations israéliennes, donc Tel Aviv et tous les environs, mais aussi il y a une autre région qui a énormément besoin d'eau, c'est la bande de Gaza. La bande de Gaza, qui est donc la partie palestinienne qui était devenue autonome, donc à partir de 1993, et qui est évidemment totalement autonome depuis, et qui se trouvait donc sur la côte. Donc ils se sont dit, cette zone qui est densément peuplée, évidemment, la solution, elle est toute trouvée dans le domaine de l'eau, c'est le dessalement. Okay, donc, on a décidé de créer cette usine qui est à Ashkelon, donc juste au bord de la bande de Gaza, même dans la banlieue sud d'Ashkelon, okay, pour ceux qui connaissent, dans la zone industrielle qui est au sud d'Ashkelon, donc à 3-4 km, un truc comme ça, de la bande de Gaza. Donc, c'était vraiment très pratique pour pouvoir fournir une grande quantité d'eau à Gaza. D'autant plus qu'on va peut-être le voir tout à l'heure, peut-être pas, on n'aura peut-être pas le temps. C'est une question, mais les accords, il y a des grands accords qui ont été conclus justement en 93 et en 95, des accords qu'on appelle d'Oslo 2, et donc qui prévoient de donner, et que l'on donne depuis, des grandes quantités d'eau à l'autorité palestinienne. Et donc, il y a vraiment des grandes quantités d'eau qui sont données, à peu près 100 millions de mètres cubes par an, depuis, qui sont données par Israël aux Palestiniens, conformément aux accords qui ont été signés à ce moment-là. La deuxième usine, celle de Palmachim, donc de Tel Aviv, dans la banlieue sud de Tel Aviv, 90 millions de mètres cubes par an. Donc, vous voyez à peu près les mêmes ordres de grandeur. Donc, 118, 90, c'est à peu près pareil. Donc, deuxième usine géante qui a été construite, mise en route en 2007. Troisième usine construite, celle de Hadera, donc qui se trouve à mi-chemin entre Tel Aviv et Haïfa, 137 millions. Vous voyez encore à peu près le même ordre de grandeur, mais encore plus grande. C'est-à-dire que celle de Ashkelon était la plus grande usine de dessalement de proportions inverses au monde. Et hop, elle est devenue la deuxième plus grande au moment où celle de Hadera a été construite. Donc, Hadera devient, à ce moment-là, à partir de 2009, la plus grande usine de dessalement au monde, en son inverse, et elle est doublée ensuite par encore une autre en Israël, l'usine de dessalement de Sorek. Sorek, c'est une rivière qui est vraiment dans la banlieue sud de Tel Aviv aussi, qui est au niveau de Rishon LeZion, pour ceux qui connaissent. Et donc, cette usine, c'est une usine de encore toujours la même ordre de grandeur, mais à chaque fois encore un peu plus, 150 millions de mètres cubes par an. Ça, c'est uniquement celle-là donne suffisamment d'eau pour bon 2 millions d'habitants. Okay. Voilà, et donc celle-là a été mise en route vers 2014 à peu près. Ensuite, il y a eu l'usine de dessalement d'Ashdod, 100 millions de mètres cubes par an. Et donc aujourd'hui, ça c'est les 5 usines en plus d'Elat, je ne compte pas Elat. Donc en plus d'Elat, on a 5 usines géantes qui fonctionnent, 5 usines absolument, absolument géantes et qui donnent énormément d'eau au pays. Mais évidemment, la population continue à grandir. On est maintenant à peu près à près de 9,5 millions d'habitants. Et donc, il y a une nouvelle usine qui est actuellement en construction, l'usine de dessalement qu'on appelle Sorek 2. À Sorek et qui va être encore plus grande, qui va ouvrir dans un an, où il y a 200 millions de mètres cubes par an. Donc, le complexe de Sorek, si on prend Sorek et Sorek 2 ensemble, c'est 350 millions de mètres cubes par an. Okay, c'est absolument gigantesque, gigantesque. C'est de très, très, très loin le plus gros au monde. Et puis, il y a encore une autre usine qui est en cours d'appel d'offres. Donc, autant l'usine de Sorek 2 est en cours de construction, elle sera finie dans un an. Celle de Galilée Ouest, donc qui est près de Neharia, pour ceux qui connaissent, dans la banlieue nord de Neharia. Et l'usine de dessalement de Galilée Ouest fera 100 millions de mètres cubes par an. Elle est en cours d'attribution. Voilà, il y a maintenant deux entreprises qui sont dans le finish. C'est la société IDE qui est israélienne et la société GES qui est israélienne aussi. Donc, alors qu'Israël est connu pour ouvrir très fortement les appels d'offres, et ça, on parle d'usines, toujours de très très grosses usines. Donc,
Il y a la concurrence dans le monde entier, il y a les Français, les Espagnols, les Américains, les Japonais, tout le monde répond. Et puis, vous voyez que maintenant, la concurrence sur les deux derniers, c'est entre deux Israéliens, puisque dans le dessalement, il n'y a pas à dire, les Israéliens sont au top mondial. D'ailleurs, on peut le voir, puisque les usines de dessalement israéliennes sont dans le monde entier. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec 600 millions de mètres cubes par an, et dans 3 ans, on aura 900 millions de mètres cubes par an, qui est des quantités d'eau colossales. Alors maintenant, si on parle un peu, on s'intéresse un peu au coût de l'eau. Alors regardez, l'eau qui arrive du lac de Tibériade coûte, là c'est en shekel, 2,4 shekel par mètre cube. Un mètre cube, je rappelle, c'est 1000 litres. 2 shekels 40, ça fait à peu près 70 centimes d'euros. Et puis vous voyez que l'eau dessalée coûte moins cher. Alors pourquoi l'eau du lac de Tibériade coûte plus cher que l'eau dessalée, alors que l'eau du lac de Tibériade, il n'y a quasiment aucun traitement, c'est une eau de très bonne qualité, il y a une petite filtration, mais pas grand chose, parce que l'eau, comme j'ai dit, du lac de Tibériade se trouve 200 mètres plus bas que le niveau de la mer. Donc comme c'est 200 mètres plus bas que le niveau de la mer, il faut le remonter. Si on veut l'amener jusqu'à Tel Aviv, il faut le monter de 200 mètres d'altitude. Et si on veut l'amener jusqu'à Jérusalem, il faut le monter même de encore beaucoup plus, parce que Jérusalem est en altitude. Donc quand on se rend compte que la majorité de la population israélienne se trouve sur la côte, hein, que ce soit à Haïfa, à Tel Aviv, à Ashdod, etc., l'immense majorité, enfin, la majorité des populations se trouve au niveau de la mer. Donc, l'eau de dessalement, on n'a pas besoin de l'amener loin, il y a juste besoin de la traiter, et aujourd'hui, le traitement, le dessalement d'eau de mer coûte moins cher que faire monter l'eau de 200 mètres et la faire transporter sur 100, 200, 300 km. Alors, à titre de comparaison, l'eau coûte en moyenne à peu près, hein, c'est les ordres de grandeur, encore une fois, en Israël, à peu près 10 shekels, ça veut dire 2,5 euros, en Israël. Ça coûte à peu près le double en moyenne en France. En France, le système est différent, c'est chaque collectivité fixe ses prix. Donc là, c'est un prix à peu près moyen. Et puis, juste pour information, j'ai mis l'eau en bouteille. Je rappelle que là, on parle de 1 mètre cube, c'est-à-dire 1000 litres. Donc, le prix de 1000 litres d'eau en bouteille, c'est à peu près 2000 shekels. Okay, donc, on voit que c'est 100 fois plus que l'eau en France, 200 fois plus que l'eau en Israël. Donc, si vous voulez continuer à gaspiller votre argent, continuez à acheter de l'eau en bouteille, mais j'espère que vous êtes nombreux déjà à avoir compris que ça ne sert absolument à rien. Voilà. Et pour information, vous voyez que j'ai mis l'eau dessalée coûte 2,2 shekels pour le dessalement, mais c'est une moyenne. Aujourd'hui, le dernier, donc Sorek 2, c'est le question. J'entends, mais très mal. Je ne sais pas qui c'est qui me parle, j'entends très mal. Oui. Ok, j'entends plus. Donc, je continue. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je disais donc le dernier appel d'offres, c'est 1 shekel 45. Donc, vous voyez que c'est même encore bien, bien moins cher. D'ailleurs, si on regarde ici les prix, donc Ashkelon qui a été attribué fin des années 90 et qui a été mis en route en 2005, c'était 2 shekels 95, ce qui était déjà totalement révolutionnaire. Et pourquoi c'est si peu cher? Parce que les technologies sont toujours totalement avant-gardistes. Et donc, les technologies utilisées à Ashkelon, c'était une première fois qu'il y avait… Enfin, non, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Dans les explications techniques, c'est très intéressant, hein, mais bon, on n'a pas le temps de parler de tout. Ça me fait penser d'ailleurs, il faut que je regarde l'heure, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Je pense 10 minutes ou plus. Il faudrait que je regarde l'heure, je n'ai pas regardé l'heure. Dites-moi… Yasmine, tu me diras oui. Quand on approche. Là, on est à 40, on a 19h40, il nous reste encore okay. 5 à 10 minutes et après on peut passer aux okay. questions parce que je vois qu'il y a déjà des questions okay. sur le chat. D'accord. Alors, c'est D'accord. très frustrant parce que j'ai plein de choses intéressantes à vous raconter, mais ok, je vais donc ok. Donc, on passe au dessalement, on passe la. Alors, juste, je voulais vous dire encore une dernière chose sur le dessalement. Il y a une grande révolution, c'est-à-dire qu'avant on amenait l'eau du lac de Tibériade qui était dans le nord vers le centre du pays, maintenant on amène l'eau de la côte, donc du centre du pays, vers partout ailleurs, donc notamment vers le nord. Donc on a inversé les réseaux.
Et maintenant, on va même envoyer, à partir de la fin de cette année, de la fin de 2022, on va, oh, non, ça marche pas, ouais. On va envoyer de l'eau dessalée dans le lac de Tibériade. Okay? Et ça va nous faire remonter chaque année de 70 cm le niveau d'eau du lac de Tibériade. Et ça, c'est du concret qui va commencer dans 6 mois. Et cet intérêt de garder un lac de Tibériade qui est bien rempli, ça nous permet aussi d'avoir un réservoir, bien sûr, de manière générale, et notamment un réservoir pour nos voisins jordaniens, puisqu'il y a eu l'accord de paix. Tout à l'heure, j'ai parlé avec les Palestiniens, mais il y a eu en 1994 l'accord de paix, donc il y a déjà 27 ans, avec les Jordaniens, une paix dans laquelle il est prévu de transmettre 54 millions de mètres cubes par an d'Israël aux Jordaniens. Et donc, c'est fait. Chaque année, évidemment, on transmet cette quantité d'eau. Et donc, le lac de Tibériade, qui se trouve très proche de la capitale de Jordanie, de Amman, nous permet donc d'avoir un réservoir qui est pratique, et donc on donne de l'eau comme ça facilement. Et c'est très important pour nous, Israéliens, de pouvoir fournir de l'eau aux Palestiniens et aux Jordaniens dans le cadre d'accords, accords de paix avec la, ça s'appelle un accord de paix avec la Jordanie, et ça s'appelle un traité de paix avec la Jordanie et un accord avec les Palestiniens. Mais enfin, c'est la même chose. Hein. Moi, je suis pas politique. Concrètement, il y a ces accords et donc ils permettent. Et donc, c'est très très important pour Israël de satisfaire à ces engagements. Ça permet d'avoir une beaucoup plus grande stabilité du pays et aussi des voisins qui peuvent se développer. Okay, puisque sans eau, on ne peut pas développer l'industrie, on ne peut rien développer. Donc, ça permet d'avoir des pays plus stables, une autorité palestinienne plus stable et surtout un royaume de Jordanie plus stable. Et ça, c'est très important. Je vais vous présenter rapidement là un peu un résumé, parce que j'ai parlé que du dessalement, mais en fait, il y a tellement d'autres choses. Alors, il ne me reste plus que 5 minutes. Je vais en parler en quelques mots tout le reste. Ça va être très difficile, mais voilà. Donc là, on voit en fait les sources d'eau en Israël. Donc les sources d'eau en Israël, c'est, on a vu, alors la partie, donc dans le camembert, la grande partie bleu ciel, c'est l'eau douce, c'est l'eau potable. C'est l'eau potable. Donc l'eau potable, elle est composée en partie, et c'est ce qu'on voit sur la partie, le rectangle à droite, elle est en partie, c'est la moitié à peu près, c'est de l'eau de mer qui a été dessalée, okay, qui devient l'eau potable. C'est à peu près un tiers les eaux de nappe phréatique, d'aquifère, c'est-à-dire de nappe souterraine. Et maintenant, c'est devenu totalement marginal, le lac de Tibériade, c'est à peu près 10% et encore. Donc, c'est totalement, totalement marginal, alors qu'il y a 20 ans, c'était très important, le lac de Tibériade. Et n'en parlons pas, il y a 40 ans, c'était l'eau venait principalement de là. Donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on parle toujours de. Les journalistes continuent à dire le lac Tibériade, voilà le niveau. Et en fait, c'est important pour des raisons autres, mais pas pour des raisons stratégiques d'eau. C'est-à-dire que c'est important pour le tourisme, pour l'environnement, au niveau écologique, c'est important, pour plein d'autres raisons. Donc, mais aujourd'hui, le lac Tibériade est devenu très marginal pour l'eau potable du pays. Ça, c'est pour l'eau potable. Vous voyez maintenant en jaune. C'est les aquifères stomates, c'est-à-dire que sous le Negev, sous le désert, il y a une grande nappe phréatique, une nappe phréatique qui est donc d'une très bonne qualité bactériologique, mais qui a un problème, c'est qu'elle est salée. Okay, donc on appelle, il y a un mot technique en français, pour l'eau qui est salée, mais trop salée, mais moins que la mer, on appelle ça de l'eau stomâtre. Quand l'eau est salée autant que la mer, on appelle ça de l'eau salée, tout simplement. Et quand elle est salée, mais moins que la mer, on appelle ça de l'eau stomâtre. En hébreu, l'eau salée, c'est maïm meluchim, pardon. En hébreu, l'eau salée, c'est maïm meluchim, et l'eau somate, c'est maïm melichim. Justement, le vav devient yod. Donc, l'eau somate en français. Cette eau somate, en fait, elle est trop salée pour être de l'eau potable, mais elle est d'une excellente qualité bactériologique. Donc, elle nous permet de, pour certains types d'irrigation, donc elle nous permet d'irriguer le désert. Elle est là, elle est sur place, et donc on a une excellente eau pour irriguer le désert. Et maintenant, on voit le violet. Alors le violet, vous voyez, c'est une très grosse part. Okay, vous voyez, c'est un tiers à peu près, en tout cas plus du quart, de toutes les eaux. Alors qu'est-ce que c'est que cette eau-là? C'est une eau qui n'est pas une eau potable. C'est une eau d'excellente qualité, mais c'est une eau qu'on réutilise. En fait,
Et c'est ça qui est révolutionnaire, c'est que Israël réutilise les eaux et de très très loin le premier pays en réutilisation des eaux. C'est-à-dire qu'en fait, chaque goutte d'eau est utilisée deux fois. Alors vous allez voir là, vous me dites, mais non, ce n'est pas deux fois. Sinon, on aurait les eaux réutilisées qui seraient, le violet qui serait la moitié, okay, si on réutilisait tout une deuxième fois. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'une partie de l'eau, on l'utilise pour l'agriculture. Là, on voit l'ensemble de l'eau utilisée. Ici, le camembert, c'est toutes les eaux utilisées, que ce soit pour la population, que ce soit pour l'agriculture, donc que ce soit pour les villes et villages, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour les industries. Donc, quand c'est dans l'agriculture, évidemment, l'eau ensuite va dans le sol, donc elle ne peut pas être réutilisée. Donc, en fait, toutes les eaux qui vont vers les villes et les villages sont ensuite amenées vers des usines de retraitement, des usines de traitement des eaux usées, et ensuite sont réutilisées une deuxième fois, cette fois pour l'agriculture. Alors, quand je dis toutes les eaux, en fait, exactement 90% aujourd'hui, okay, donc j'arrondis en disant tout, 90%, et 90% très précisément. Et voilà, ici on voit les usages de l'eau. Donc on voit les eaux domestiques, c'est-à-dire les eaux des villes et villages en vert, c'est évidemment de l'eau potable. Okay, vous voyez que c'est sur le côté extérieur qui est bleu ciel, c'est-à-dire l'eau potable, évidemment. Pour les villes et villages, on a besoin d'eau potable. L'industrie utilise aussi de l'eau potable. Et en orange, vous voyez, c'est l'agriculture. Donc l'agriculture prend en partie de l'eau potable, vous voyez, c'est du bleu ciel, en partie des eaux d'aquifères, saumâtres, donc c'est la partie jaune, et évidemment, en grande partie, aujourd'hui plus de la moitié, c'est les eaux réutilisées. Donc, plus de la moitié de l'eau de l'agriculture est de l'eau réutilisée, donc c'est absolument colossal. Donc on arrive, grâce à ça, avec une goutte d'eau, on fait presque deux gouttes d'eau, donc, en réutilisant les eaux. Et ça, Israël est de très très loin le premier pays à réutiliser les eaux. Je vais ici mettre très rapidement les autres choses qui sont faites, parce qu'il y a plein de choses. Donc, l'optimisation de l'aqueduc national, j'en ai parlé. Dessaler l'eau de mer, j'en ai parlé. Réduction de la consommation, ça, c'est une chose très importante. L'optimisation de la distribution, malheureusement, je n'ai pas le temps de développer chaque chose. La réutilisation, j'y viens d'en parler en même instant. La préservation des ressources, évidemment, c'est très important. On n'a pas beaucoup d'eau, donc il faut prévenir et préserver leur qualité. Et donc là, il y a énormément de choses qui sont faites, qui sont absolument révolutionnaires. L'augmentation artificielle de la pluviométrie, ça, on ne le fait plus maintenant, mais on l'a fait jusqu'à il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, en Galilée. Donc, on tire sur les nuages, okay, sur certains nuages qui ne seraient jamais devenus de la pluie et qui deviennent de la pluie et qui, on les fait pleuvoir, en fait, ces nuages de manière artificielle au niveau du lac de Tibériade, au niveau de Galilée, comme ça, ça tombe dans le lac de Tibériade, qui est un grand réservoir naturel. Mais ça, on ne le fait plus aujourd'hui parce que, économiquement, on n'a plus besoin, le dessalement est plus rentable. Et voilà, évidemment, négociation avec les voisins, recherche d'accords, notamment, il y a des accords qui existent avec, puisque nos voisins, ils sont comme nous, ils n'ont pas beaucoup d'eau. Okay, donc, puisque nous, on n'a pas d'eau et les autres n'ont pas d'eau, nos voisins non plus, autant trouver des solutions ensemble et les partager, les solutions. C'est ça, en fait, la grande idée. Et Ronnie, est-ce qu'on peut passer juste aux questions qu'il y a sur le chat? Il y a une question qui concerne comment est alimentée l'usine de dessalement thermique concernant l'énergie. Ok. Alors, les usines de dessalement thermique, alors on n'en fait plus en Israël aujourd'hui, thermique. Mais si ça vous intéresse, alors… c'est très frustrant, j'ai tellement de choses à vous raconter, notamment les relations de paix avec la Jordanie, c'est passionnant, les lots qu'on donne, comment, les respects des accords avec les Palestiniens aussi, tout ce qu'on fait avec la Cisjordanie, avec, même avec Gaza, alors que vous savez qu'avec Gaza, malheureusement, on n'est pas du tout en paix, mais au niveau de l'eau, on fournit de l'eau conformément aux accords de 93, tout ça, j'aurais vraiment aimé vous en parler parce que c'est vraiment des choses très intéressantes, mais je n'ai pas le temps, mais s'il y a des questions, avec plaisir. Alors, je vais répondre sur le thermique. Le thermique, c'est ça. Okay. Le thermique, aujourd'hui, on a là, par exemple, vous voyez, on a vendu une en Chine, on a vendu une géante en Inde, etc. Donc, le thermique, on continue à le faire, ceux qui le demandent. Elle a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, j'en ai parlé, c'est que ça coûte beaucoup plus cher. C'est plus énergivore. Mais l'avantage, c'est que c'est extrêmement fiable, même si on a de l'eau de très mauvaise qualité qu'on prend de la mer, si on a une eau polluée, si on a une eau avec des algues, ça va donner toujours quand même une eau qui va sortir, qui va être d'excellente qualité. Le principe, en gros, là, je vous ai expliqué le principe de la casserole, okay, c'est le même principe qui est utilisé, mais au lieu de faire avec la casserole, d'utiliser l'eau, de la réchauffer
de faire de la vapeur. Et parce que faire de la vapeur, c'est ça qui nécessite beaucoup d'énergie. Au lieu de faire de la vapeur une seule fois, on fait de la vapeur une fois, mais cette vapeur, puisqu'on n'a pas besoin de vapeur, on a besoin d'eau, eh bien, on la refroidit. Okay, on refroidit cette eau. Et cette eau qu'on a refroidie, on profite, puisqu'on a refroidi l'eau, c'est-à-dire qu'on a récupéré de la chaleur, on récupère cette chaleur, on fait un échange thermique et pour réchauffer de nouveau une autre partie d'eau. Et on fait ça une fois. On fait ça, alors il y a toujours un peu de perte de chaleur, mais on arrive à le faire deux fois, trois fois, quatre fois, on arrive à le faire 14, 15 fois au total. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Ici, en fait, on ne se rend pas bien compte, c'est absolument énorme. Hein. Le rond, c'est à peu près 9 mètres de diamètre et la longueur, c'est à peu près 100 mètres de long. Okay, donc, ça, c'est des usines. Et en fait, chaque morceau, c'est un morceau qui, en refroidissant, on réchauffe notre partie. Voilà, c'était un peu technique, mais puisque j'ai une question technique, j'étais obligé de répondre. Voilà. Il y a d'autres questions? Il y a pas mal de questions sur le chat. Il y a une question sur la mer morte. Et qu'est-ce qu'on fait avec le sel après le dé... Alors, le sel, ce n'est pas sur la mer morte. Le sel, c'est le sel du dessalement. Oui, qu'est-ce qu'on fait avec le sel du dessalement? Exactement. Okay. Et aussi une autre question sur la mer morte. OK. Ok, ben oui, il y a plein de choses, j'aurais aimé vous en parler, c'est dans la suite. Alors, d'abord qu'est-ce qu'on en fait? Alors, le dessalement, pour faire simple, à chaque fois qu'on prend 2 litres de la mer, on prend 2 litres de la mer, il y a 1 litre qu'on transforme en eau douce, puis ensuite, il reste encore 1 litre où on a gardé tout le sel. Donc, en fait, on a... 1 litre qui va nous servir pour l'eau potable et 1 litre avec deux fois plus de sel, c'est-à-dire qu'au début, au lieu d'avoir à peu près 3,5% de sel, la quantité de sel qu'il y a naturellement dans la mer, on se retrouve avec une eau qui a à peu près 7% de sel. Et donc, cette eau avec 7% de sel, on la rejette. Donc, on prend à chaque fois, on prélève 2 litres d'eau pour avoir produire 1 litre d'eau potable et on rejette 2 litres. Donc, on ne produit pas de sel puisqu'on ne fait que concentrer un peu le sel dans l'eau, on concentre deux fois plus. Technologiquement, on sait faire techniquement, mais ça coûterait extrêmement cher de séparer totalement le sel de l'eau. Il n'y a aucun intérêt économique. Donc, on ne le fait pas. Donc, on jette l'eau salée, tout simplement. Il y a une question que je viens de voir. Quand essayaient de faire les Iraniens lorsqu'ils ont cyber-attaqué les usines de dessalement d'eau? OK. Alors, évidemment, l'eau, c'est quelque chose de très sensible. Moi, je ne suis pas un expert en cyber. Donc, évidemment, il y a tous les spécialistes en cyber qui sont là. C'est la guerre des hackers. Mais ça, moi, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas mon métier. Je sais que c'est extrêmement protégé. Hein. Je sais que moi, quand je fais des visites d'usines de dessalement, etc., c'est extrêmement surveillé. Il faut que je donne... longtemps en avance, les numéros de trucs, le numéro d'identité, etc. etc. Ce n'est pas n'importe qui peut visiter. Les gens qui viennent sont très, très surveillés. C'est ultra surveillé. Okay, donc, je peux vous dire que c'est extrêmement surveillé. Maintenant, au niveau informatique, je peux vous dire que c'est super bien blindé. Maintenant, dans les détails, j'en sais rien. Encore une fois, je ne suis pas un informaticien, je suis un spécialiste de l'eau seulement. Ce que je peux vous dire aussi, c'est d'un point de vue stratégique, c'est très intéressant de voir ça, d'un point de vue stratégique, on a, alors je vais peut-être revenir sur cette carte ici, la carte qui était là, parce que ça c'est important de comprendre votre stratégie par rapport à nos ennemis, entre autres, mais aussi par rapport aux pollutions accidentelles. En fait, maintenant, on a 3 grandes familles de sources d'eau. On a le dessalement maintenant, okay, vous avez compris qu'on a du dessalement, mais très, très massif. On a les nappes phréatiques qui nous servent toujours, c'est des grosses quantités qu'on a quand même d'eau, c'est-à-dire assez très très loin pour nous servir, mais si on avait un coup dur au niveau, par exemple, si l'eau de mer était d'un coup polluée d'une manière, je ne sais pas laquelle, ferait qu'on ne pourrait plus… Encore une fois, il y a plein de choses qui font qu'on filtre bien, c'est pris à certains niveaux, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a peu de chances que même si la mer est polluée, ça perturbe les usines d'essalement. Mais si ça devait perturber… On a ces nappes phréatiques qui nous permettent d'avoir en tout cas des réserves pour au moins quelques mois. Et en plus, on a le lac de Tibériade qui est toujours là. C'est-à-dire que même si on utilise très peu le lac de Tibériade, on continue à faire fonctionner les pompes, on continue à faire fonctionner le réseau, même si ce n'est pas avec des gros débits,
pour être toujours prêt. Donc, on a en fait les sources qui sont partagées. Comme ça, si un jour il y a une pollution, qu'elle soit accidentelle ou qu'elle soit due à du terrorisme, peu importe, on peut très facilement et immédiatement basculer. Donc, on a une sécurité aussi à ce niveau-là qui est très grande. Oui, d'autres questions? Oui, il y a beaucoup de questions. On demande, voilà, avant-dernière, c'était l'eau de mer altérée par une marée noire, par exemple. Et la dernière pour ce soir, j'invite toutes les personnes qui souhaitent contacter Ronnie par la suite. Je vous envoie son adresse mail sur le chat. Comme ça, vous pouvez le contacter par mail. Donc, encore deux questions pour aujourd'hui. C'est l'eau de mer altérée par une mer noire, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Et où en est le projet du canal de mer Rouge? Ok, mer morte, mer rouge. Alors, voilà. Sur le cas de mer noire, de marée noire, je viens d'en parler à l'instant. Ok, donc ça, je pense avoir répondu. La situation entre le canal mer rouge, mer morte, effectivement. Attendez. Je vais passer la suite là, voilà. Alors, je voulais montrer un peu la mer morte. Effectivement, la mer morte. C'est intéressant de voir à quel point catastrophique on est. Donc, la mer morte, c'est le point noir, on va dire, aujourd'hui encore, d'Israël. Okay, la mer morte va-t-elle mourir? Donc, elle est en train de mourir. Là, c'est le dernier point que j'ai mis à jour d'hier. Okay, j'ai remis tout à jour. Donc, en février 2022, c'est-à-dire le 2 février exactement, hier, le 2-2-2-2, on était à 436,4 mètres sous le niveau de la mer Méditerranée, c'est-à-dire 40 mètres plus bas qu'il y a 40 ans. Okay, donc, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que l'eau de la mer morte baisse de 1 mètre tous les ans. C'est gigantesque, c'est une catastrophe. Et ça continue à baisser. Je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi. En gros, enfin, si, pour dire de manière très, très, très simple, pourquoi? Parce que il y a 100 ans, il y avait un peu d'habitants dans la région. Et aujourd'hui, on est passé, comme j'ai dit, de 800 000 Israéliens à 9 millions. On est passé de quelques centaines de milliers de Jordaniens à 7 millions. Et on est passé, au sud de la Syrie, à plusieurs millions, de quelques centaines de milliers à plusieurs millions. Donc, dans le sud de la Syrie, pas dans toute la Syrie. Tous ces gens-là, les Syriens du sud de la Syrie, les Jordaniens, les Israéliens, pompent dans ce qu'il y a, c'est-à-dire que les Syriens et les Jordaniens dans le Yarmouk, c'est une rivière très importante qui avant arrivait dans le Jourdain et qui arrive toujours dans le Jourdain, mais avec des flux extrêmement, extrêmement faibles. Et puis, donc voilà, tout le monde pompe. Donc, évidemment, comme tout le monde pompe, même si aujourd'hui l'Israélien pompe très, très peu, comme je viens d'expliquer pendant toute cette conférence, maintenant, ce n'est plus du tout comme c'était il y a 20 ans. Mais voilà, il n'y a plus beaucoup d'eau, donc la mer morte descend. Donc, il est en train de se passer une catastrophe environnementale. Okay, ce n'est pas dangereux pour l'eau potable, évidemment, mais environnementalement, ce n'est pas bon du tout. Donc, finalement, il y a ce grand projet d'amener l'eau de la mer Rouge vers la mer morte. Alors, ce projet-là, il y a eu plusieurs signatures en 2012, notamment une autre en 2017, entre Jordaniens, Israéliens, Palestiniens et la Banque mondiale. Mais là, c'est un peu au point mort. C'est un peu au point mort en ce moment, donc malheureusement, un peu tout le monde traîne. Je ne vais pas rentrer dans la politique, d'ailleurs, je ne connais pas bien les détails à cause de qui, mais c'est à cause d'un peu tout le monde, ça traîne. Quoi. Donc là, je ne peux pas vous dire quand, il y a toujours ce projet, hein, le grand projet de la mer morte, de sauver la mer morte, qui intéresse beaucoup autant les Jordaniens que les Israéliens, que les Palestiniens, c'est-à-dire les trois frontaliers de cette petite mer. Et donc voilà, donc j'ai malheureusement aucune date à vous donner. Je pourrais vous en parler beaucoup aussi, j'ai fait une conférence exclusivement là-dessus déjà, mais par contre je ne peux plus du tout vous donner de date, enfin je ne vous ai jamais donné de date parce que justement on est toujours en attente, mais là on est encore plus en attente qu'avant puisque là les gens traînent, voilà, malheureusement. Ok, une autre question? Tout le monde te félicite, Ronnie, on te remercie beaucoup, c'était passionnant, merci beaucoup. Il y a des gens, on nous demande déjà une série de conférences, pas une deuxième conférence sur le sujet, parce que c'était très intéressant. Voilà, j'ai communiqué ton email sur le chat. Je te remercie beaucoup, c'était vraiment passionnant. Encore une fois, pour moi, c'est très frustrant de pouvoir parler de si peu de choses, mais donc je serais ravi de faire d'autres conférences sur des sujets spécifiques.
Parce que là, j'ai essayé de présenter de manière générale, mais finalement, je n'ai pas pu. J'ai présenté que des petits morceaux, surtout le dessalement et pas grand-chose d'autre, alors que la réutilisation, c'est énorme. D'autres choses qui sont très, encore une fois, toutes les relations avec la Jordanie et avec les Palestiniens, quelque chose de passionnant. Il se passe énormément de choses. Les gens ne le savent pas et ils doivent le savoir. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans le domaine de l'eau entre Israéliens, Palestiniens et Jordaniens. Beaucoup de choses et des choses qui font vraiment, qui font développer les populations. Et donc, les gens devraient le savoir. Et donc, j'aurais bien aimé parler plus de ça. Mais bon, voilà, on ne peut pas parler de tout en si peu de temps, malheureusement. Oui, c'est vrai. Donc, ce serait une raison de t'inviter à nouveau pour une deuxième conférence sur le sujet, sur un autre aspect de ce sujet. Et voilà, donc je merci beaucoup, merci Harvey. Et on se voit nous dimanche pour parler de, encore du Covid qui est encore de l'actualité avec professeur Michael Edelstein de l'Université de Bar-Ilan. Donc on vous donne rendez-vous dimanche soir à 19h heure française. Voilà, merci beaucoup et Shabbat Shalom. Ok, merci. Bye. Bientôt, au revoir. Bientôt.